France. On peut peut-être me dédicacer au manager, celui-là. Il y a moyen de le dédicacer au manager. Il a fait un long trajet pour venir juste ici. Notre manager, il a les tailles web. Il a les mêmes roues flaquettes qu'un certain caissier de Valencourt. Ouais. Quand vous alliez au bricomarché à Valencourt, acheter des tasses de 12, pour faire quoi, mec? Pour encadrer le Porsche d'Elvis, tu vois, le Porsche d'Elvis, pour des tasses de 12, vous savez, pour prendre ça. Ouais. Et tu croisais qui à la caisse? Tu croisais qui? Et c'est quoi son surnom? Elvis! C'est quoi son surnom? C'était Elvis de Valencourt. Non, vous allez pas faire ça quand même. Comme dirait Brigitte Pop, c'est un génie. On a essayé de changer les paroles en disant Elvis d'Orléans, Elvis de... Mais en fait, ça c'était moche. Alors comment on va jouer comme des cons, c'est un bon morceau que c'est. Mais ça, mais non, c'est Elvis de Valencourt. Donc on va rien pouvoir faire. Hein, parce que... Il est peut-être sa famille en fait. T'as remarqué que c'était plus intéressant ce que je disais? Non, c'est pas intéressant ce que tu disais. Non, c'est un sketch, c'est un sketch. T'as déjà vu Raspadès et ses chevaliers sur scène? Ouais. Dès qu'il t'a vu? Dès que je suis entré. Ok, c'est pas vous, vous êtes cancer. Ok, fermez vos gueules, putain merde. Moi aussi, je ferme ma... Putain. Thank you.
concours. Non. On vous a proposé de venir ce soir et vous êtes venus, je vous en remercie. Et vous avez compris qu'on voulait faire la fête. Et qui dit fête, dit bien habillé. Moi j'ai mis une chemise, mes copains ont mis une chemise, et lui il a mis un short. Et il a le droit, il est assis, quand tu es assis tu as le droit d'avoir un short. Et une casquette de Chuck Norris. C'est même pas une casquette des RM6, c'est juste une casquette de Chuck Norris blanche. Mais aucun d'entre vous, ni aucune d'entre vous, ni même un alien, n'est venu en survêtement. Et là je dis bravo, car comme disait Lao Tzu en son temps, ton survêtement te fait vraiment une tête de gland. Thank you.
Super bien, mais il n'y a plus personne pour réparer nos voitures. C'est ça, combien vaut le
un petit peu chiant. Si je fais ça, si tu fais ça, c'est super. On va faire un morceau comme Chuck Berry. Vous connaissez ce mec-là? C'est le grand frère de Franck Ribéry tiré. Nous allons reprendre, je sais pas, reprendre ça voudrait dire qu'on les a déjà fait, qu'on va les prendre à nouveau. Mais ça, je crois que c'est prévu pour un tout petit peu plus tard. Nous allons reprendre une chanson de nos amis Rangis qui s'appelle Garagiste. Oh!
nous a rendu célèbres dans les plus profonds coins du Berry. Elle s'appelle Julien Lepers, qui était à l'époque animateur télévisuel parmi les plus célèbres et les plus beaux du PAF, comme on disait. Ce morceau, son tonnerre, Franck disait. Allez Julien, montre-le tes fesses. Allez Julien, montre-le ton cul. Yeah.
vie sur ma trace. Ça va devenir certainement rien de spirituel. C'est même pas le Encore!